Une dizaine de pays membres de l'Afritac de l'Ouest sont depuis le lundi 5 décembre à Abidjan, où se tient un atelier régional de haut niveau sur les bonnes pratiques de management et de gouvernance des administrations fiscales. La semaine est organisée par le département des finances publiques du FMI en collaboration avec les services de l'UMOA et de la CDAO. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs pour une meilleure gestion des dépenses publiques. Doter les administrations fiscales d'un guide de bonnes pratiques en vue de moderniser leur management et renforcer leur cadre de gouvernance, c'est l'aboutissement de ces travaux auxquels prennent part les 10 pays couverts par l'Afritac de l'Ouest. Durant 5 jours, les hauts responsables des administrations fiscales de ces différents pays échangeront sur les innovations, réformes et efforts entrepris dans leurs systèmes fiscaux. L'expérience a montré que malgré toutes les réformes au niveau technique qui ont été initiées, les pays membres de l'Afritac de l'Ouest et en particulier ceux de l'UMOA peinent à atteindre les objectifs de convergence en matière de mobilisation de recettes qui est de 20% du PIB et on en a encore assez loin. Et donc la réflexion qu'on engage ici, c'est est-ce qu'il y a d'autres défis que techniques, notamment en matière de gouvernance et de leadership des administrations fiscales. Et c'est pour ça que, fort de la présence des 8 directeurs généraux, on va aborder ces questions de leadership, de transparence et de bonne gouvernance. Ce séminaire prendra fin le 9 décembre prochain et devra déboucher sur une feuille de route faisant office de guide régional pour optimiser l'impact des efforts de modernisation grâce à une mutualisation des bonnes pratiques à promouvoir. Nous nous retrouvons ici entre 15 directeurs généraux des impôts ou leurs représentants. C'est vraiment pour échanger nos pratiques, échanger sur nos difficultés, échanger également sur les solutions possibles pour faire avancer nos administrations et au final les rendre plus performantes et être à la hauteur des défis qui nous attendent, parce que le défi majeur, c'est la mobilisation des recettes. Je rappelle que tous ces pays-là, de l'espace CDAO, nous sommes dans une période de transition fiscale. La transition fiscale consiste à reporter sur la fiscalité intérieure, la fiscalité de porte. Créée en 2003, l'Afritac de l'Ouest a pour vocation de contribuer au renforcement des capacités des administrateurs des pays bénéficiaires et de faciliter les échanges entre administrations.